Hélène, on est devant la carte qui montre où sont situés les possibles trajets que vous aviez prévus et regardés de ce côté-là. Peut-être juste avant d'y aller de ce côté-là, je voulais voir qu'est-ce qui amène Hydro-Québec à tout de suite, même si le projet n'a pas encore été accepté par le Conseil des ministres, le projet du futur parc éolien, qu'est-ce qui amène Hydro-Québec à déjà se préparer et à enclencher le tout également de trouver le bon trajet pour sa ligne de transport? Développer un projet de ligne de transport comme celui-là, ça demande un certain temps. Ça demande plusieurs mois de travail parce qu'on veut bien faire les choses. Puis c'est un travail qui se réalise en étapes, qui inclut des consultations avec le public, des études sur le terrain, des analyses environnementales, puis du travail technique. Donc, de manière à bien conduire les activités, à résumer l'ensemble de notre démarche dans une étude d'impact que l'on va aussi déposer au ministère de l'Environnement et suivre tout le processus d'autorisation gouvernementale requise. Si l'objectif est toujours d'être au rendez-vous à l'automne 2026, Faut que vous soyez il prêt. faut être prêt et il faut Ah. bien faire les choses. Donc, l'équipe est au travail depuis un an et demi ou à peu près, puis on présente aujourd'hui le tracé qui a été retenu au terme des analyses et des consultations publiques, donc le tracé avec lequel on va poursuivre le travail pour la suite des choses. Donc, c'est un travail qui se fait en parallèle. Est-ce que c'est un travail que vous devez faire en collaboration avec les gens de Boralex et également d'Énergir pour ne pas possiblement pas nuire à leur trajet qu'ils ont eux-mêmes? Bien, en fait, comme développeurs de projets respectifs, c'est certain qu'on travaille ensemble, notamment sur les questions de construction, de cohabitation, d'accès, etc. Donc, on se parle régulièrement pour s'assurer que nos projets fonctionnent bien ensemble d'un point de vue des échéanciers, des travaux, des accès, etc. Ceci étant, pour le tracé de ligne spécifiquement, on travaille avec des méthodes reconnues, des méthodes qu'Hydro-Québec a développées au fil du temps, donc qui concernent toute une analyse d'éléments sensibles du milieu, d'un point de vue environnemental, ajoutée à une série d'outils techniques que l'on utilise aussi pour confirmer certains éléments, valider des données terrain, puis éventuellement, à l'aide aussi des données qu'on a recueillies dans les consultations qu'on réalise, améliorer notre projet de manière à déposer le tracé de ligne qui est jugé finalement au terme des analyses de moindre impact. Donc, le projet qu'on va pouvoir réaliser de moindre impact pour l'environnement au sens large, là, j'entends ici tant au niveau humain qu'au niveau naturel. OK, donc au niveau des animaux, tout ça, donc tout est Exact. bien maintenu. Donc là, vous aviez la possibilité de trois tracés qui ont été évalués. Le tracé qui était retenu est lequel parmi les trois qu'on voit, le bleu, le vert ou le Le rose? tracé rose qui est un tracé de 6,8 km. Donc, les trois tracés étaient situés à 100% tous sur le territoire de la seigneurie de Beaupré. Maintenant, en ce qui concerne le tracé rose, c'est un tracé qui est intéressant parce que d'un point de vue de la cohabitation, notamment du chemin d'accès principal de la seigneurie, il est situé tout près. Il nous permet aussi de limiter dans une certaine partie, le déboisement. Puis d'un point de vue de cohabitation avec les activités de villégiature, on s'en éloigne un tout petit peu. Puis il est de l'autre côté suffisamment loin aussi des territoires municipalisés plus bas pour permettre une intégration visuelle avec des impacts limités à partir des principaux points d'intérêt. Parce qu'au départ, je pense que vous la voyez un petit peu plus à l'ouest, et c'est avec en faisant diverses analyses, vous avez cru voir que c'était peut-être mieux de l'amener vers l'est à ce moment-là. En effet, quand on fait un travail comme celui-là, donc de raccorder un parc éolien, en fait, notre objectif, c'est de raccorder le parc qui appartient au promoteur du projet au réseau existant. Donc, la ligne que l'on OK, voit c'est la grande ici, ligne le verte que vous corridor avez à ici. 315 000 OK. volts qui existe déjà. Donc, on travaille à partir de ça. Et très tôt, quand Hydro s'est mis au boulot, on a travaillé avec Boralex pour déterminer le meilleur emplacement pour le poste de raccordement. Si bien qu'en situant le poste, on le voit tout juste ici, en termes de grand secteur, là, ça donne une idée à haute échelle, si bien que ça nous permet d'une part d'éviter une zone importante de givre, de concentrer nos efforts du côté de l'est et d'éviter ou de s'éloigner, je dirais, de toute la partie du secteur Et vous récréotouristique. parliez du déboisement. Donc là, les chemins d'accès sont plus faciles, j'ai bien compris, de ce côté-là également. Donc, Exact. il y avait certains éléments qui étaient, comme vous dites, à retenir. Donc, c'était l'élément que vous voyez le plus intéressant. Juste peut-être nous situer en haut de la carte, on ne le voit pas présentement, mais c'est le parc actuel qui vient se raccorder lui aussi C'est à la ça. grande ligne. Et un peu plus bas, on voit que là, c'est la partie du Mont-Saint-Anne. Donc, Exact. c'est dans l'avantage, on pourrait dire,
plus près du village de Saint-Ferréol que de la ville de Beaupré maintenant, le poste que vous avez en question. Exact. On pourrait le voir comme ça. Donc, tracé situé sur les terres du séminaire, là, on longe à toute fin pratique là, la limite des lots. J'ai vu aussi, en regardant les différentes informations que vous nous avez transmises, on voit qu'au niveau de l'aspect visuel, c'est quelque chose de bien important. Oui. Vous avez fait des simulations. On voit à peu près pas la différence, à peine. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que vous aviez à cœur de oui. limiter au maximum le tout. Absolument. Donc, quand on a implanté une ligne, selon les milieux, on va prendre en compte évidemment la présence du milieu bâti, le couvert boisé, la topographie aussi, mais également toutes sortes d'éléments, soit qui nous sont soulignés par les parties prenantes, que ce soit les MRC, les municipalités, le public, les propriétaires, les villégiateurs, mais aussi des éléments de nature environnementale, les milieux humides, par exemple, des bandes riveraines, des sites d'intérêt historique dans certains cas. Donc, on travaille avec tout ça et très tôt dans le processus, quand les tracés commencent à prendre forme, on travaille avec différents outils, entre autres des données laser là, qui nous permettent d'avoir une lecture assez exacte de la réalité du terrain, donc quand on travaille sur les tracés. Donc, moins de surprises pour vous quand exact. Vous arrivez directement sur place. Et puis, on réalise des analyses de visibilité aussi qui nous permettent, sous différents angles ou différents points de vue, d'imaginer ce qu'on pourrait voir ou pas de la ligne. Puis, en fonction des points d'intérêt, quand on anticipe qu'on pourrait effectivement voir en tout ou en partie, par exemple, certaines structures ou une empreinte au niveau de l'emprise, là, on va réaliser sur des sites choisis des simulations visuelles. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas-ci, à trois endroits, donc à partir de la route 138, à partir du sommet du Mont-Saint-Anne et à partir du territoire de la Seigneurie de Beaupré. Quand, bien sûr, là, on parle transport, donc on parle pylône pour bien sûr pouvoir faire ce transport, on parle de combien de pylônes en tout qui seront sur cette ligne rose? En fait, un peu moins de 20. Je voudrais, pour être précise, 18. On a une répartition préliminaire qui a été établie, donc qui nous a permis, entre autres, de travailler les analyses de visibilité. Là, le boulot qui nous attend, c'est vraiment de raffiner tout ça en fonction, par exemple, de la nature du sol, des obstacles à traverser. Par exemple, un milieu humide, un secteur d'intérêt, un secteur plus sensible, etc., que ce soit d'un point de vue environnemental ou des méthodes de construction. Donc, ensuite, vraiment, là, le travail se fait, je vous dirais, mètre par mètre sur le terrain pour vraiment bien situer à l'endroit exact chacune des structures. Mais on peut imaginer en moyenne là, des structures qui seraient séparées en termes de distance d'un 400 mètres, plus ou moins, dans certains cas, mais ça donne quand même une bonne idée. Donc, 18 structures au total entre le poste de départ du promoteur et la ligne d'Hydro-Québec à laquelle on va aller se raccorder. Et au niveau des pylônes, est-ce qu'on a changé un peu le type de pylône que vous utilisez? Est-ce que c'est des pylônes qui sont un peu plus étroits pour être moins, en guillemets, encombrants? Au sol, qu'est-ce que vous faites maintenant? Les gens qui connaissent bien le coin remarqueront que ce sont essentiellement les mêmes types de pylônes que ceux qui ont été utilisés pour les raccordements des parcs de la Seigneurie de Beaupré. Donc, deux types de pylônes. Un pylône aubané, donc qui a une forme de Y pour les parties du tracé de ligne qui seront droits. Et on utilise des pylônes d'angle, donc des pylônes à quatre pieds aux endroits où, comme ici par exemple, la ligne doit changer de direction. D'accord. Donc, ça, c'est pylônes qui permettent, comme vous dites, de pouvoir ramener dans c'est une ça. Autre direction la ligne en tant que exact. Telle. Exact. Donc, la hauteur de chacun des pylônes va varier selon les endroits, les besoins, les obstacles, le dégagement au sol, donc l'espace entre le sol et les fils aussi, d'un point de vue de sécurité. Pour la ligne ici, là, on parle de structures là, qui auront entre 27 et 47 mètres de haut, selon les endroits. Donc, vous avez ce parcours-là qui est le plus optimisé au niveau de la ligne, la ligne rose qu'on pourrait dire ici. Est-ce qu'il pourrait avoir encore quelques changements? Est-ce que ce tracé-là pourrait subir quelques changements suite à peut-être des visites sur place en plein été, par exemple, qui va arriver bientôt? Donc, ça, c'est, est-ce que c'est, il y a des éléments que vous devez tenir compte de peut-être des changements potentiels? Bien, il est toujours temps, en effet, d'apporter des améliorations au projet. Puis, ça arrive régulièrement quand on avance le travail. Comme vous dites, on se rend au terrain, il y a l'effet des saisons, il y a la planification des travaux aussi qui entre en ligne de compte. Notre objectif, on parle de projet de moindre impact,
pour le après, mais pour le pendant également, donc que ce soit au niveau des accès, des méthodes de construction, etc. Donc, je voudrais que le tracé rose que l'on voit à l'écran, c'est vraiment le tracé avec lequel on travaille. Maintenant, de manière ponctuelle, par exemple, l'emplacement des structures, la largeur exacte de l'emprise à chacun des endroits, ça, c'est des éléments qui vont gagner à être travaillés encore dans les mois qui viennent. Donc, vous avez glissé un mot au départ des différentes étapes. Donc, pour cet été, il y aura sûrement du travail sur le terrain. Au niveau environnemental, vous parliez bien sûr du ministère de l'Environnement, bien sûr du BAP qui sont là. Donc, on peut s'attendre à l'automne déjà d'avoir une rencontre d'information pour le BAP, par exemple, ou ça va un petit peu plus tard au printemps 2025? Bien, on pourrait l'imaginer dans ces eaux-là, dépendamment de l'analyse de recevabilité de l'étude d'impact, donc des délais puis de la période d'échange de questions de réponses entre Hydro-Québec et le ministère de l'Environnement. Donc, nous, on compte déposer l'étude d'impact au printemps, puis ensuite l'analyse va suivre son cours, puis nous, on sera prêts lorsque le ministère jugera l'étude recevable à poursuivre la suite du processus avec l'examen par le BAP. Et aujourd'hui, on est le 4 avril, donc on a une avant-première, on vous rencontre tout juste avant que vous allez rencontrer aussi les résidents de Saint-Féréol, de Beaupré, qui auront l'occasion de voir cet après-midi l'information et de voir aussi une présentation du projet de la ligne ce soir. Donc ça, c'est des éléments importants pour vous, que vous, c'est vraiment une bonne source d'information supplémentaire pour vous. Absolument. Depuis qu'on a commencé nos études d'avant-projet, là, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, presque un an et demi, on a réalisé de nombreuses rencontres de toute nature, là, tant des portes ouvertes comme on fait aujourd'hui, qu'il y a des rencontres évidemment avec le Séminaire de Québec, avec les organismes du milieu. On a fait une consultation en ligne également, puis on est vraiment très contents du retour qu'on a eu. Les gens nous ont fourni des informations précieuses. Les gens connaissent le territoire, ils l'occupent, ils l'utilisent. Donc, ce sont de bons yeux et de bons guides aussi pour nous aider à approfondir des choses. Donc, la réponse a été vraiment bonne et c'est important pour nous. Le dernier rendez-vous est en juillet 2023, ici même pour une autre activité porte ouverte. C'est important pour nous de revenir fermer la boucle et de montrer et l'évolution présenter le aussi. Résultat du travail, puis le résultat de l'analyse des commentaires qui nous avaient été faits l'été dernier aussi, expliquer aux gens comment on a utilisé ça pour améliorer le projet. Bien, Hélène, on aura sûrement l'occasion de se reparler soit à l'automne 2024 ou au printemps 2025 pour la suite avec tout ce qui touche la partie environnementale. Un grand merci pour tous ces détails, c'était bien apprécié. Merci, c'est très gentil.